10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut vlog, donc cette semaine, je suis avec ma cliente Caro, on a fait son évaluation. Donc comment on fonctionne avec tous nos clients, c'est qu'à tous les mois on rencontre les clients, on regarde comment ça a été, on fait la biosignature qui est l'évaluation de pourcentage de gras, on regarde les charges aussi, la progression qu'il y a eu durant le mois au niveau de l'entraînement, et on regarde un paquet de trucs aussi au niveau de gestion, sommeil, récupération et tout ça. Et là c'est ça, fait qu'après ça, là, on a une séance d'entraînement, on va faire de la chaîne postérieure, fait tout ce qui est ischio fessier. Pour Caro dans son cas, même coulant en force là-dessus, parce qu'elle compétitionne en bikini, donc c'est vraiment ça qui est important de développer. Et c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on commence avec du podium deadlift. C'est une variation de deadlift qui est très avancée parce que le range of motion est très grand. Mais c'est pas tout le monde qui peut se rendre là non plus, dépendant des tes segments, ton tronc par rapport à tes tibias, par rapport à tes fémurs. Mais Caro a une excellente mobilité, elle a des bonnes proportions pour faire ça. Fait qu'on va commencer avec ça. 6 séries de 6 avec un excentrique de 5 secondes. Ouais, fait que là, colle ça. Lève tes hanches. Comme ça. Pense vraiment de grabber le sol, tu sais, tu veux. Talon, tout le côté du pied, puis leur tête, c'est vraiment grabber le sol au maximum. Là, tu sais, créer un varus comme ça, ça c'est plus fessier, ça va mieux lever. Là. Les hanches. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Ah ouais, un dernier, let's go, là, active ça. Come on, push les hanches. Come on. Tranquillement. 4, 3, 2, 1. Good job. Bonjour, je m'appelle Caroline. Dans le fond, je suis assistante infirmière-chef à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je viens tout juste de finir ma maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne avec Quantum Training. Puis ce que j'aime dans le fond de l'équipe Quantum, c'est vraiment tout ce qui est la vision holistique de la personne. Dans le fond, ils te prennent de manière individuelle. Puis ils vont non seulement t'apprendre toutes les techniques d'entraînement, comment t'entraîner, comment bien manger, mais aussi t'aider à travers toutes les différentes sphères de ta vie pour vraiment que tu sois le plus en santé possible, non seulement au gym, mais aussi au travail, à l'école, puis dans le fond, dans toutes tes actions à travers ta vie. Push ça, push! 5. Lock ça, come on! Ah ouais, lève ça! Lock ça! 5, 4, 3, 2, 1, come on! Sur les hanches, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on va faire une variation de step-up pour travailler les hanches, principalement les fessiers, OK? Fait que, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas nécessairement comment trouver la hauteur quand tu fais un step, mais ce que tu veux faire, c'est que ton fessier soit toujours activé quand tu vas le faire. Fait que, tu peux juste regarder activement qu'est-ce que tu peux aller faire sans charge. Fait que tu vois, Caro, là, c'est son max. Elle serait capable de lever plus, mais ce qui arrive, c'est que le bassin bascule puis le fessier est désactif. Fait qu'on va garder une amplitude qui va être active. Fait que comme ça, quand elle va pousser dans son talon, on va être capable vraiment d'activer le fessier au maximum. Fait que ça va être sa hauteur. Alright, donc quand tu veux faire un exercice qui va maximiser le recrutement des fessiers, ce que tu veux, c'est que la hanche soit le point le plus loin du centre de masse. Fait que le centre de masse, c'est dans le milieu du pied. Fait que, là, si on regarde, son genou il est très proche du centre de masse, donc il ne va pas avoir le temps de recruter au niveau du quad, mais sa hanche est très loin vers l'arrière. Cette variation de step-up-là, ça va maximiser beaucoup le recrutement des fessiers et surtout dans la partie vraiment étirée. Puis quand il arrive en bas, c'est là qu'il va avoir plus de tension. Quand on fait un workout, tu veux optimiser le recrutement dans chaque portion. Fait que le deadlift, ça maximise le milieu du mouvement, donc c'est vraiment dans le milieu qu'il y a plus de recrutement qui va se faire au niveau des fessiers. Après ça, on a fait du Romanian deadlift avec les bandes élastiques qui va maximiser le top du mouvement. Et là, on finit avec un exercice qui va maximiser la tension dans le bas du mouvement dans la partie étirée. Puis là, on va faire de 15 à 20 reps. Et comme tantôt, on a arrêté un petit peu avant parce qu'elle commençait à sentir son quad. Fait qu'on veut toujours garder que l'objectif est de travailler le fessier d'une portion étirée. Fait que quand il n'y a plus de tension qui est capable de se créer à ce point-là, puis on compense, on va arrêter ça là. Alright, workout fini avec Caro. Donc là, il y a beaucoup de monde qui ont la grippe ces temps-ci, le rhume, whatever. Et je vais vous parler d'un petit cocktail qu'on peut faire pour optimiser le système immunitaire. Puis si tu commences à avoir une grippe, tu prends ça, puis normalement, ça casse ta grippe assez rapidement. La première étape que tu as à faire, c'est de penser que tu ne seras pas malade, puis de penser que tu es en santé. Fait que
le pouvoir du cerveau sur le corps, c'est assez incroyable qu'est-ce que c'est capable de faire. Fait que si tu t'arrêtes de te dire « Ah, oh, j'ai mal à gorge, je vais être malade. Ah oh, non, j'ai pas le goût d'avoir la grippe, mais être malade. » C'est sûr que tu vas être malade. Fait que de te dire « Je suis en santé, je suis jamais malade. » Puis de te mettre ça dans la tête puis d'y croire, ça va faire une grosse différence. Première étape. Deuxième étape, te reposer comme il faut. Si tu sens que t'as la grippe, ben essaie toujours d'avoir ton lutteur de sommeil, optimise ton sommeil le plus possible. Ensuite de ça, côté supplément, la glutamine, ça va être super important et intéressant pour le système immunitaire. Tu peux prendre de 5 à 80 grammes de glutamine, dépendant comment tu le tolères. C'est sûr que quand que tu veux casser une grippe, tu augmentes le dosage, peut-être passer 40 grammes dans ta journée, voir comment tu gères ça puis comment ça va bien pour ta glutamine. Et c'est ça, parce que si tu en prends trop, tu parles des maux de cœur, des maux de tête, des affaires de même. Fait que je te dirais, commence un dosage plus bas puis augmente. Et là, ça va aider à stimuler le système immunitaire. Vitamine D aussi, super important. Tu peux faire des gros dosages pour un court laps de temps, par exemple 50 000 unités par jour pour 3-4 jours, juste pour booster ton système immunitaire. Et vitamine C aussi, de 4 à 6 grammes par jour pour booster ton système immunitaire, encore là, de 3-4 jours. Fait que si tu ferais ce blend-là, exemple 60 grammes de glutamine, 50 000 unités, puis 6 grammes de vitamine C, pour 3-4 jours, tu vas casser ta grippe automatiquement. Et pense aussi que t'es pas malade puis que t'es en santé. Fait que merci d'avoir écouté le vlog, j'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de liker, partager, puis c'est ça, faites des pouces. Puis, merci d'avoir écouté, puis on se parle dans un prochain vlog.